Ouais, l'équipage, c'est le Shinji Kai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, ça change de d'habitude. On a décidé de vous tourner une vidéo en impro. On va regarder un petit thread. Voilà, ça change de d'habitude. On va vous faire plein de vidéos comme ça. Par contre, il y aura toujours une théorie le samedi avec un bon script, bien travaillé et tout. Le samedi ou le dimanche, ouais, c'est vrai. Mais là, du coup, ce sera en impro. Et voilà, on va commencer tout de suite le thread. Du coup, là, c'est un thread sur quoi, Kenotsuki? C'est sur Barbe Blanche et God Valley. Ok, parfait. Du coup, bah, on commence. Pour commencer cette théorie, je dois expliquer le contexte derrière la théorie. La base de cette idée est que le prochain arc après Wano sera Sphinx Island. C'est quoi? Ah oui, l'île du Sphinx, ok. C'est quoi? C'est l'île de Barbe Blanche. Ah, je sais pas. Ok. Du coup, Ah, oui. reposeront sous la protection. Ok, mais c'est qui les SH, les Shichibukai? Voilà, tac. Ou les villageois? Ouais, peut-être les villageois, je sais pas, on va voir, de toute façon, on va bien comprendre après. Voilà, du coup. Comme je le mentionne dans cette théorie, je pense que ce mini-arc comprendrait une scène dans laquelle Luffy visite les tombes de Ace et Whitebeard. Ce serait une bonne façon de clore ce qui est effectivement l'acte 2 de l'histoire dans son ensemble. C'est ce qui, je crois, nous fera passer à la trame de fond de Whitebeard. Mais Whitebeard, en fait, sa trame de fond, le problème, c'est qu'elle est déjà passée. C'était Marineford. Ouais, c'était Marineford. Mais surtout que le prochain arc, franchement, je vois pas du tout ouais. un autre arc que Elbaf. Hein. Ouais, oui, Elbaf, oui. ouais. De toute façon, moi, je vois absolument pas Luffy aller sur la tombe de son frère avant mourir. Je pense qu'il ira même quand il sera déjà repris. Ouais, moi, je pense vraiment qu'il a pas que ça à faire. Ouais, il a pas que ça à faire. Du coup, vas-y, tu peux. Il l'a vu mourir, il s'en fiche de sa tombe. Ouais. Du coup, nous avons appris avant Wano que l'île du Sphinx était le lieu de naissance et la précieuse patrie de Barbe Blanche. Tout au long de sa carrière de pirate, il avait utilisé son butin pour améliorer l'état de sa patrie. Ouais, bah franchement, ça c'est vrai, rien à dire. C'était un endroit où les gens étaient trop pauvres pour payer l'hommage céleste et donc le pays n'était pas affilié au gouvernement mondial. Cela signifie que le crime et la corruption n'étaient pas contrôlés. Barbe Blanche lui-même d'abord grandit dans un orphelinat. C'est ça qui nous amène une connexion potentielle. Ok, ouais, pour l'instant tout ce qu'il dit c'est vrai. Là y a pas de fraud. Du coup de fraud. De fraud. Ça veut dire fraude en gros. Bref, si Big Mom a 68 ans et Whitebeard avait 72 ans, il serait logique que son flashback ait lieu juste avant celui de Big Mom. Il y a environ 65 ans. Peut-être que cet orphelinat était géré par la même organisation que Mother Caramel elle-même était peut-être là. Ça j'y crois moyen en vrai. Toi non, tu vois. Vous en pensez quoi? Mais déjà, déjà, elle est restée, c'est sur Elbaf de toute façon. Quoi? Ouais. Du coup, vous en pensez quoi de ça? Moi, pour moi. Moi, non, vu que déjà, elle est restée sur Elbaf pendant chiga longtemps. Ouais. Avec les enfants et tout. Ouais, et du coup, c'est pas possible. Franchement, je la vois pas être allée. Je vois pas Barbe Blanche la connaître et tout. Bref, de toute façon, vas-y, on continue, on va voir si c'est frauduleux ou pas. Pour l'instant, les informations allaient bien, c'était factuel, mais là, quand ils commencent à théoriser, ça part en cacahuète, on va dire. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. C'est potentiellement ici que nous avons pu apprendre l'ordre secret auquel appartenait Mère Caramel, une sorte de culte d'église corrompue qui est secrètement parrainé par le gouvernement mondial. Je crois que cela a conduit Whitebeard à incendier l'orphelinat et devenir un pirate. Bah, déjà nous on voit pas Barbe Blanche la connaître, mais si c'est passé ça, Barbe Blanche il voulait pas devenir pirate pour se venger du gouvernement mondial, il voulait juste avoir une famille. Donc je vois pas du tout pourquoi il serait. Mais en plus, pourquoi il aurait détruit sa soi-disant famille? Ouais, je comprends pas. Comme pour les flashbacks de Kaido et Big Mom, on sautera alors quelques années pour voir le début de la carrière de pirate de Barbe Blanche. Barbe Blanche a d'abord pris la mer avec les autres enfants, comme vu dans son flashback. Ouais, ça ok, il a pris la truc. Bah là, pour l'instant, c'est factuel. Malheureusement. Je me souviens plus trop de son flashback. Bah, faudrait que tu le regardes, c'est vite fait en vrai, c'est 2-3 épisodes. Même pas, c'est qu'un épisode. Ouais. Bah du coup on continue. Malheureusement tous ses amis sont probablement morts assez tôt dans leur voyage et Barbe Blanche était laissé à lui-même. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il est remarqué par un grand pirate, nanani. Rox Dixébec, ok, bah ça pour l'instant, rien à dire. Rox Dixébec. Voilà. Encore une fois, nous avancerons probablement dans le temps de quelques années et verrons le point de vue de Barbe Blanche sur chacun des principaux membres connus, rejoignant les Rox, pirates dans l'ordre. Big Mom, Shiki, puis Kaido, Grayson, nous aurons une idée. Ouais, beaucoup plus forte des dynamiques d'équipage. Ouais. Pour l'instant, en fait, toutes les choses qu'il dit, elles sont factuelles, sauf quand il théorise. Donc, on peut voir que, voilà, peut-être que la théorie, c'est pas fait pour toi, mon poteau anglophone. Bref, avec Rox,
correctement révélés, nous apprendrons également probablement les détails de ses motivations et les sujets tabous particuliers que Sengoku a mentionnés comme étant intéressants et les origines de son intention de devenir roi du monde. Ouais, ok. Cela nous conduira enfin à obtenir le contenu de God Valley. Nous n'apprendrons probablement pas tout ce qui s'est passé, mais nous apprendrons pourquoi ils sont allés là-bas et ce qui a causé leur défaite. Nous apprendrons qui les a trahis et verrons les origines de la politique anti-trahison de Whitebeard. Ouais, il déteste qu'on le trahisse. En fait, là, il dit que des trucs factuels. Moi, je veux voir de la théorie, moi. Eh oui, mais les trucs factuels, c'est facile de les pondre. Bah ouais. Ah oui. Mais la théorie, non. Et il a besoin de ça pour s'appuyer sur ça. Ok, bah, je pense que ça va venir après. Whitebeard aura probablement été tenté par Roger de retourner le dos à Rox, mais il aurait refusé. Ce serait une excellente façon de montrer la profondeur de l'honneur de Barbe Blanche. Il n'aime pas très Rox alors qu'il était clair que ça lui profiterait davantage. Ça, franchement, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est Roger. Roger, je pense qu'il a réussi à le convaincre de tourner le dos à Rox, parce que Rox... S'il serait encore avec Rox, il vengerait son capitaine. Ouais, non, mais en fait, Rox c'est totalement l'inverse de ce qu'il pense Barbe Blanche. C'est complètement l'inverse. Ouais. En fait, lui, Rox, il voulait un équipage super puissant, mais qui fasse que de s'embrouiller son équipage, il s'en fout, alors que lui, il voulait une famille, donc du coup, c'est totalement l'inverse de Barbe Blanche. Je crois que Kaido a été vaincu par Roger, et Whitebeard s'est affronté avec Roger pour la première fois pour protéger Kaido. Pendant ce temps, Rox se heurtait à Garp. C'est probablement le moment où Big Mom a donné à Kaido son fruit, comme... mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais pour moi, mais Garp, il a jamais de la vie, tiens, Rox, en 1v1. Garp, il se fait manger en 1v1. Franchement, il n'y a pas photo. Pour moi, Roger, il s'étape contre Rox. Oui, ça va. Et, ok, et Kaido, voilà, il a fait ses affaires de son côté face à Rayleigh. Et il s'est fait... éclater. Voilà, c'est simple, c'est factuel, c'est simple. On dit des choses qui sont sensées. On ne s'est pas piqué avant de faire cette vidéo. Donc, je crois que Big Mom aurait tenté d'aider Kaido pendant que Whitebeard combattait Roger et Rox combattait Garp. Mel a peut-être remarqué qu'il perdait. Big Mom aurait peut-être celui qui aurait poignardé Rox dans le dos, sachant qu'il allait perdre en profitant de l'occasion pour se mutiner. Hein, quoi ? Quoi ? Mais tu crois vraiment que Big Mom, elle s'est retournée contre Rox ? Big Mom, si elle se retourne contre Rox, elle se fait manger. Mais manger, tu vois, elle mange, Rox, il la mange encore. Voilà, exactement. Même Rox blessé, hein. Rox blessé, mais bien sûr Rox blessé. Elle a attendu que Roger il explose Rox pour ensuite partir. C'est tout. C'est factuel. Exactement. Même elle a pris la fille. Et par contre, je pense que Garp, il avait même pas le niveau pour affronter Barbe Blanche. Donc, affronter Rox, arrêtez d'abuser, s'il vous plaît. Nous savons que Big Mom se proposait de prendre éventuellement le pouvoir et cela aurait semblé l'occasion idéale. Big Mom a causé la défaite de Rox et Rox s'est enfui, abandonnant l'équipage. Cela se connecte au dialogue de Kaido de 987. Par contre, on est tous d'accord, Big Mom elle prend trop la confiance avec Kaido. Ouais, Big Mom vraiment elle prend la confiance. Kaido, mais Kaido c'est claque, il l'éteint. Même si voilà, entre les Yonko, il y a voilà, pas trop de différence, il y a pas trop d'écart, mais Kaido, Kaido est plus puissant que Big Mom, que vous le vouliez ou non. Ça doit se valoir, mais Kaido gagne quand même. C'est comme tous les empereurs, ils se valent, mais il y en a toujours un meilleur. Kaido est plus fort que Big Mom, que vous le vouliez ou non. Voilà. Cependant, Big Mom ne s'est pas rendu compte qu'en faisant cela, elle a accidentellement permis à Kaido d'être capturé. Ça l'explique son dialogue en 1049. Comment Kaido s'est retrouvé à Pink Hazard. Big Mom pensait que Kaido s'était également enfui, mais il avait en fait été capturé et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Pink Hazard. À Pink Hazard, mais attends. Oui, parce que quand ça s'est coupé, la musique a s'est coupée. Vas-y, ok. Du coup, on recommence 3-2-1. Mais attends, mais à Punk Hazard, mais qu'est-ce que... Oui, Kaido était à Punk Hazard. Il était à Punk Hazard, depuis ça. Ouais, oui, il était à Punk Hazard. Bah oui, Kaido était en Hazard. Même quand il s'est fait prendre son... Quand ils ont transformé... Ouais, il a été chercher King. Non, ouais, non. C'était Punk Hazard qu'il était King. Non, c'est quand il s'est fait prendre son... Quand ils ont changé son fruit. Ah bah oui, du coup, ils ont créé le fruit, voilà. Artificiel. Du coup, ce serait là que le flashback se termine et que nous revenons au temps présent à la suite de ces révélations. 1. Big Mom était le traître, Kaido a été capturé, Whitebeard n'a jamais trahi Rox, Rox est toujours en vie. Ça par contre, peut-être que je suis d'accord, Rox, peut-être qu'il en vit et qu'il arrivera vers la fin. Voilà, ce sera l'ennemi final. Ou qu'il soit peut-être réincarné dans Barbe Noire, ça on sait pas. Hein. Ouais. Comme Joy Boy dans le film. Peut-être qu'il peut avoir une manière de ressusciter les morts. Ouais, peut-être que Joy Boy, il avait un ennemi, comme Rox, et que
C'est comme dans Naruto, vous voyez Naruto? Bah oui, bah non, en fait, les deux frères ils se réincarnent tout le temps, dans des générations et tout. Ginkaku et Kinkaku. Non, c'est pas ça. Si, c'était eux les deux frères. Non. Ah oui, Indra et Ashura. Oui, okay. Voilà. Ok. Je vois de qui tu parles. Bon, on continue sur One Piece. Je crois que cela nous conduira alors à la configuration parfaite pour que Weeble vienne à Sphinx Island en tant qu'antagoniste pour la finale mini arc. Ouah, ce serait le pire antagoniste, vraiment. Ouais, bah en fait, il est trop puissant pour un arc éclaté comme ça, mais qui. Il est si puissant que ça, tu penses? Bah attends. Weeble? Ouais. Weeble, frérot, il fait mal, hein. Weeble, c'est Schlack. Voilà. Frérot, Weeble, c'est Schlack. Weeble, il fait peur. À base de qui? Il fait peur à beaucoup de gens en ce moment. Bah, pour moi, il sera dans l'arc final, je sais pas avec qui, mais. Et frérot, tu passes d'antagoniste Kaido à Weeble. Oui, c'est vrai. Non, mais là, frérot, tu. Ouais. Mais en vrai, j'ai un moment. Vous voyez, il y avait Ener. Et ensuite, il passe directement à Foxy, hein. Ouais, j'avoue. Ouais, bah ouais. Ah, ouais. J'aimerais pouvoir lire votre théorie. Ok, du coup, la théorie elle est finie. Bon, résultat de ça, on va chacun dire un truc. Je commence. Du coup, je suis pas du tout d'accord avec ta théorie. Surtout, il y a quelques points où on est d'accord. En fait, toutes les choses factuelles que c'est tu normal. Dis, voilà, c'est dans le manga, donc je peux rien dire d'autre. Mais à chaque fois que tu théorises, Rox est toujours en vie. Ouais, à chaque fois que tu théorises, à part Rox est toujours en vie, tu te loupes. Mais comment tu peux dire que Big Mom elle se serait retournée contre Rock? Je comprends pas. C'est impossible. Kaido a déjà été capturé, oui, ça on le sait. Kaido a été capturé, ok. Ça a été dit, c'est factuel. Whitebeard n'a jamais trahi Rock? Bien sûr que si. Il l'a trahi. Whitebeard a trahi Rock. Bah oui. Mais en fait, t'as déjà tout dit. Mais je suis totalement d'accord avec toi et pas du tout d'accord avec lui. Et en fait, il s'appuie trop sur des vrais faits. Et il théorise presque pas, mais le peu qu'il théorise, C'est faux. C'est impossible, en fait. Tu veux mon vrai avis? Vas-y. Puis sa mère. Vas-y, mais lui aussi, il est jamais sérieux, lui. Lui aussi, c'est une fraude. Bref. Moi, je suis une fraude? Oui, t'es une fraude. Mais toi, tu t'appelles Nazuken. Oui, mais tu t'appelles Fugetsu, ouais, frérot. T'es le nom d'un... Tu t'appelles Ryoken? T'es le nom d'un des 6 daimyo de Wano. C'est nul. En plus, c'est le pire daimyo. Personne ne le connaît. Personne. Bref. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est très important. Voilà. Dites-nous votre avis en commentaire. C'est important. En fait, c'est la seule chose pour nous récompenser. Bref. Et qu'est-ce que vous en pensez de la théorie aussi? Ouais, j'avoue. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Vous êtes d'accord avec nous? Les gars, interagissez avec nous. On vous répondra. On répondra à tout le monde. Là, on a du temps à tuer. On répondra à tout le monde. Et d'ailleurs, on live. Abonnez-vous à Shinji Kai tiré du bas YT. Sur Twitch. Sur Twitch. Shinji Kai. Voilà, Shinji Kai. Aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram et Twitter. Ah oui, compte Instagram et Twitter. Vous saurez toutes les news, toute l'actualité. Vous saurez. Et aussi, on va essayer de mettre des shorts sur YouTube pour vous prévenir. Ouais, exactement, des shorts sur YouTube pour vous prévenir. En vrai, ça pourrait grave aider. Et n'oubliez pas, il faut activer la cloche de notification parce que là, on va se mettre à faire des lives à gogo, surtout que c'est les vacances. Il va y avoir des lives tout le temps, voilà. Toutes les semaines. On va essayer d'inviter des YouTubeurs. On l'a fait avec. Avec Jérémy et compagnie. Hein, c'est un vrai frérot, voilà. Il nous a donné plein de conseils. Vraiment, merci à lui. Et voilà, de toute façon, on va vous mettre les rediffusions des lives, du live qu'on a fait. Voilà, on va faire plusieurs best-of sur les sujets qu'on a parlé. Et puis voilà, de toute façon, ça peut le faire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut, équipage!